Bonjour tout le monde, c'est Thierry, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode de notre réserve naturelle. Aujourd'hui on va continuer l'enclos des castors. Et donc j'ai une petite remarque sur ce passage qui est là pour les employés. Du coup en hop j'ai changé et donc j'ai fait une sorte de porte, vous savez comme quand on va dans les caves, porte qui sont en biais comme ça. Du coup, ça fait moins étrange si la personne passe. Je me suis aussi amusé à faire des changements de couleur pour les planches, histoire de voir ce que ça peut donner, vu qu'on m'avait conseillé aussi de faire ça. Et puis voilà. Donc, je l'ai pas fait là, parce qu'en fait, je l'adore comme il est là. Je trouve ça vraiment très beau. Et puis, en fait, on peut pas changer les planches, la couleur des planches à tout va. Donc c'est ça le problème, on peut pas mettre de l'usure ou une couleur, une teinte différente tout le temps. Donc je vais essayer de m'accommoder à ça et de faire de mon mieux pour la suite. Et la suite en fait, bah, c'est ici, donc il n'y aura pas énormément de construction. Ah si, il y a le pont à faire, tiens, intéressant. Il y a le pont à faire, il y a les barrages à faire et il y a de la végétation encore à mettre. Donc je pense que je vais partir sur de la végétation. Tout là, ainsi que les roseaux, enfin les bords de l'eau, et commencer à voir pour faire un premier barrage ici. J'étais en train de me demander mais où passe l'eau pour aller en bas là, mais je l'ai pas fait. Il faudra que je construise ici. Donc on va faire ça pour aujourd'hui. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Ouais, on va faire ça. Donc moi, je vais vous souhaiter un bon visionnage. Et puis, bah, à tout à l'heure.
tout le monde! Alors, aujourd'hui on a pas mal avancé, j'ai mis les bouchées doubles. Je pensais faire que ceci. Aujourd'hui. Ça c'était pas prévu, mais en fait j'adore mettre des rochers dans l'eau comme ça. Ça non plus c'était pas prévu, ça c'était pas prévu non plus, mais j'ai tout mis. J'ai mis de la végétation là, donc il y en a moins parce qu'en fait, clairement c'est la fin de la forêt, on va dire ici. Donc j'essaye de mettre moins de végétation. On a fait la végétation sur le bord aquatique. J'adore les roseaux, j'adore les arbres qu'ils nous ont mis. Franchement, c'est trop beau. Avec les castors comme ça, ça rend trop trop bien, je trouve. Je trouve que le truc est parfait, quoi. Donc beaucoup de végétation. Le pont, je le ferai la prochaine fois. Je pense avoir une petite idée de pont en tête. Et donc, on a fait le barrage. Donc, comme vous voyez, c'est pas bien compliqué. Hein. C'est principalement des arbres morts que j'ai mis un peu de partout. Que j'ai copié-collé. Un petit peu n'importe comment. Quelques roches un peu boueuses, histoire de dire. Et un petit peu de feuillage en plus pour faire plus réaliste. Mais on va encore l'améliorer. Il y a 2-3 autres trucs que j'ai envie de mettre. Mais pour ça, il faut d'abord que je mette en fait les petits effets d'eau que je mettrai à la fin. Parce que à partir de là, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est en dehors de l'enclos. Donc tout ça, c'est pour ça que je m'en suis pas occupé. C'était juste pour dire que là, il va y avoir une forêt. Et c'est tout. Là, je m'en suis occupé parce que c'est dans l'enclos. Et donc voilà. Là, c'est pareil. On a fait cette zone-là qui n'était pas prévue à faire aujourd'hui. Mais je me suis motivé, j'ai vu l'heure, je me suis dit c'est bon, je ferai un montage, je couperai. Et du coup, on a fait une petite zone ici qui est pas mal du tout. Moi j'aime bien. Et puis ce que j'aime le plus, c'est vraiment que quand on passe à l'intérieur, ce n'est pas uniquement toujours la même chose. Il y a différents buissons, différentes sortes de végétation. Il est vrai que j'en ai mis énormément. Mais bon, ça rend bien. Avec les arbres coupés là, pour faire genre, ils ont coupé le bois pour faire leur barrage. Moi j'adore. Donc la prochaine fois, ce qu'on va faire, ça va être le pont. La déco aquatique ici. On va dire, ouais. Tout ça. On va faire, en fait, on va essayer de finir long. Ah, quoi que c'est long. Si, on va essayer de finir, je ferai un montage, je couperai, c'est pas grave. On va essayer de finir pour faire... Ah, c'est génial! Ah, ils ont revu ça, ils peuvent aller assez loin maintenant. Avant, genre, je me souviens quand j'avais fait une première savane, bah, ils étaient tous, genre par exemple, sur tout l'enclos, bah, ils devaient être juste là. Et là, vous voyez, ils vont jusqu'à là. Ah, c'est génial! C'est génial. Du coup, là, on va vraiment pouvoir faire comme si c'était vraiment une réserve éparpillée. Oh, c'est génial. C'est parfait. Donc, on va faire ça la prochaine fois. La prochaine fois, on va vraiment essayer de finir l'enclos. Et puis, voilà. Donc, comme d'hab, en fait, maintenant, à chaque fois qu'on aura fini, on va prendre un peu de hauteur pour voir ce qu'on a fait. Pour se donner un peu de courage pour dire « ça avance ». Et là, honnêtement, le courage est là parce que ça a vraiment bien avancé. Franchement, non, c'est propre, c'est très propre. C'est très propre. En allant à cette allure-là, même en allant un peu plus vite, par moment, je pense que j'irai plus vite. Et surtout, il y aura des endroits qui seront moins remplis de végétation, moins d'arbres, etc. Je pense qu'il y a moyen que ça aille vraiment beaucoup plus vite. Donc, je suis assez content. Et vous avez vu, ah mince. J'allais dire, vous avez eu... Ah si, regardez. J'ai essayé de mettre différentes teintes de rochers par-ci, par-là. Alors, on voit peut-être mal. Si, regardez, vous voyez, là. On va essayer de faire quelque chose de plus naturel. Et n'oubliez pas, je prends vraiment tous vos conseils. Ils sont vraiment très utiles. Même si ça ressemble à de la négation ou quoi que ce soit, j'en ferai... Enfin, je prendrai en compte et essaierai de m'améliorer. Et d'ailleurs, la prochaine fois, on mettra des champignons aussi. Je kiffe mes champignons, alors on mettra des champignons.
Enfin bref, voilà, je vous remercie d'avoir regardé les vidéos, ça me fait énormément plaisir, surtout que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, ça me fait énormément plaisir. Et je suis très très content. Du coup, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît, puis nous on se retrouve très très bientôt. Ciao ciao.